sélection nationale camerounaise. Bon, pour l'instant, ça avance vraiment au petit trot, hein, mais ça y est, ils arrivent, les Lions Indomptables arrivent, les champions d'Afrique en titre, certainement le plus gros concurrent hein, pour l'Égypte au titre final avec le Sénégal. Est-ce que vous voyez assurément ce bus derrière moi avec la sélection camerounaise qui s'attendait peut-être pas à cet accueil, une haie d'honneur que l'on va faire aux joueurs camerounais. On voit ici Jean-Alain Boumsong au deuxième rang. Il a l'air assez circonspect, certainement étonné par cet accueil. Et Antonin, ça y est, ils descendent. Qui sont les gens qui attendent, voilà, les Camerounais, justement? Le Cameroun arrive enfin dans son hôtel, ici à Ismaïlia. Ismaïlia, où ils vont jouer tous les matchs de leur groupe. Avec un premier match dans 4 jours contre la Guinée-Bissau. Et puis il faudra faire très attention au Bénin aussi, au Ghana. Regardez Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, l'entraîneur et l'entraîneur adjoint, les deux néerlandais qui ouvrent le chemin. Voilà, ils prennent du temps quand même à sortir hein, cette sélection camerounaise. On se demande s'ils sont si sereins finalement d'arriver à cette heure si tardive et surtout avec 24 heures de retard par rapport à l'horaire prévu. Voilà, allez, regardez-les, Jean-Alain Boumsong qui est très connu. Jean-Alain Boumsong qui part, lui, récupérer ses affaires. C'est une arrivée assez particulière, hein. C'est très bizarre, pas tellement de cris, une haie d'honneur avec des roses, mais pas de hurrah. Et on rappelle que c'est un très très long voyage, hein, Antonin. Et puis ils ont décollé à 14h de Yaoundé, il est minuit 17 désormais. Ça veut dire que c'est un voyage presque interminable. On imagine, Patrick, que cet événement... voici Jean-Alain Boumsong, peut-être à votre micro, un petit mot, Jean-Alain. Non, il est fatigué. Bah, Jean-Alain Boumsong, très fatigué par ce long voyage. Comme il l'a dit, comme vous l'avez dit à l'antenne, ils sont partis en début d'après-midi. Plusieurs heures de vol, le départ du Caire et encore 2 heures de bus. Ils vont pouvoir se reposer ce soir et puis certainement demain attaquer les entraînements parce qu'il faudra être prêt pour la réception, pour le match contre la Guinée-Bissau. Juste un petit mot, Antonin, sur les gens qui sont là, qui ont attendu donc ce quart de l'équipe du Cameroun. Ce sont, c'est quoi? C'est personnel de l'hôtel? Ce sont des supporters camerounais qui ont fait le déplacement? Non, principalement du personnel de l'hôtel et de la CAF qui assure une réception à cette équipe du Cameroun ici dans l'hôtel. Aucun supporter camerounais ici, certes, seulement des Égyptiens, des locaux, mais qui veulent exprimer aussi toute leur gratitude et tout leur plaisir à accueillir ici la sélection des champions d'Afrique en titre. On le voit, hein, des visages graves, mais des sourires aussi à recevoir ces fleurs. Avec cette regardez, petite question, peut-être Patrick, sur encore une fois la longueur de ce voyage. Pourquoi ils sont en Égypte? Ils ont un titre à défendre qu'ils ont obtenu il y a 2 ans. Il faudra se battre pour le conserver. Patrick. Je pense que les joueurs sont contents d'être retournés au pays pour dire au revoir, mais cet au revoir a été entaché par cette polémique liée aux primes. Ça a occasionné un retard qui est quand même conséquent. Ils ne sont pas... Il y a une séance d'entraînement sur 2 jours où ils ont fait un peu les beaux, aller faire des photos, des conférences de presse, présenter par-ci et par-là l'équipe. Donc, ça ne me semble pas être idéal comme préparation. Mais les Lions étant ce qu'ils sont, ils sont capables de se remettre tout de suite en ordre des marches et certainement réussir à délivrer les prestations espérées. À la suite du nouveau capitaine de la sélection qu'on vient de voir passer, bien sûr, Eric Choupo-Moting. Voilà, Antonin, c'était donc ce qu'on pouvait dire hein, sur l'arrivée du quart du Cameroun au milieu de cette nuit à Ismaïlia.
Oui, absolument. J'ai quand même mon petit doigt qui me laisse dire qu'ils ne sont pas encore prêts de se reposer, les Camerounais. Voilà, ils sont en train de passer les tests de sécurité pour rentrer dans l'hôtel. Ils vont avoir besoin de bien se reposer avant d'attaquer cette CAN. Et je pense qu'ils voilà, ont hâte après ce long voyage. Mais mon petit doigt me dit qu'ils ne sont pas encore couchés, nos amis les Lions Indomptables. Très bien. Eh bien, mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas couché non plus, mon cher Antonin. Merci beaucoup pour ce duplex en direct depuis Ismaïlia avec la caméra de David Peresetchensky. Donc.